c'est nous toutes, en fait. C'est vous, c'est moi, c'est toutes les femmes qui travaillons. Parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable avec cette révolution sexuelle de travail que nous avons connue, c'est qu'au fond, les femmes ont voulu devenir des hommes comme les autres. Donc, on est devenus des hommes comme les autres, on travaille comme les hommes, on est payés comme des femmes. Mais on a gardé tout le reste du côté féminin, c'est-à-dire la charge mentale, s'occuper des mômes, s'occuper de trouver les poux dans la tête, s'occuper des courses, penser à la colonie de vacances, penser à appeler le pédiatre. Donc, Shiva, c'est nous toutes. Shiva, c'est moi, c'est sûr. C'est vrai que c'est moi et c'est mon quotidien de cadra qui bosse et qui a beau avoir un mari extraordinaire, très gentil, adorable, qui a décidé en plus de m'aider en s'occupant des enfants. Bah, malgré tout, de fait, Shiva en a plein les bras et c'est pas toujours simple. Et la répartition des tâches hommes-femmes, même si elle s'améliore, c'est pas tous les jours très simple quand même. J'ai choisi de passer par un roman parce que j'avais pas envie de faire un essai pour expliquer, voilà, la répartition des tâches, comment ça marche, les femmes dans le travail, etc. J'avais pas envie de ça. J'avais envie de finalement de faire part de mon expérience personnelle. Pourquoi ? Parce que finalement j'étais un peu en burn-out et je vais vous dire, moi, quand je vais pas bien, même quand je vais bien, ce qui m'accompagne le mieux, ce sont des romans. Et en fait, là, c'était vraiment un roman de copine, un roman qui accompagne, un roman qui tend la main aux autres en disant, vous voyez, tout le monde dit que je suis Wonder Woman, en fait, pas du tout. Je suis pas Wonder Woman, il y a des moments, je suis comme ça, j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et c'était ça que j'avais envie de faire. Et j'avais pas non plus envie de faire un guide, vous savez, parce que vous lisez les guides pour trouver le bonheur, et ça a l'air hyper facile. Et en fait, quand vous, eh ben, ça marche moins bien quand vous essayez de suivre comment il faut faire. Donc voilà, je voulais un roman parce que c'est vraiment un roman de copine, ouais.